Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour la fameuse session triple catch, puisque vous le savez, eh bien, NXT UK va vous être débriefé maintenant, mais vous allez pouvoir aussi savourer le show de WWE SmackDown et AEW Rampage qui vous seront proposés et qui vont vous être justement savourés dans la foulée. Donc, quoi, clairement, est-ce que quel show vous a plus plu? Est-ce que vous avez préféré Rampage? Est-ce que vous avez préféré SmackDown? Est-ce que vous avez préféré NXT UK? NXT UK, en tout cas, qui a eu lieu donc jeudi. Alors, je m'en excuse d'avance, hein, bien sûr. J'ai voulu vous faire le débriefing hier, mais suite à un problème technique, j'ai pas pu vous le faire. Donc, je vous le fais samedi, voilà, triple catch, comme j'ai expliqué. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait durant cette émission? Qu'est-ce qu'on a pu, eh bien, savourer, soulever, savourer, donner, aimer. Aimer, c'est ce qu'on aime finalement. Et finalement, eh bien, on va tout simplement essayer de savoir si ce show a été à la hauteur de l'événement. Surtout que, on rappelle bien sûr que c'était le retour du NXT UK Universe. Et il y avait trois matchs qui vous étaient proposés. C'est-à-dire que Blair Davenport affrontait Stevie Turner. C'était à gauche que vous voyez. On a eu ensuite un match entre Chas Samuel et Flash Morgan. C'est le second match. Et enfin, ça c'était le main event. NXT UK Championship. C'est un match simple où Ilja Dragunov affrontait donc Hey Kids. Hey Kids, a-t-il réussi l'exploit ou non? Bon, vous voyez cette image. Bon, ça vous semble quand même assez évocateur. Et on va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée. Avec donc le premier match qui était donc le match entre féminin entre Blair Davenport et donc Stevie Stunner, qui était un match. Alors, au demeurant, j'ai pas trouvé le match excessivement prometteur. Il était intéressant, il était correct, mais c'est vrai que par rapport à quelques autres matchs que j'ai pu voir du côté, eh bien, côté de NXT UK, il est quand même un match, on va dire, en deçà de ce qu'il avait été proposé. Je trouvais que les deux lutteuses avaient une alchimie assez bizarre. On a eu notamment le petit problème que je n'aime pas, c'est-à-dire qu'on a eu une lutteuse qui a beaucoup subi et qui a donc posé pas mal de difficultés à rendre dynamique la rencontre. La rencontre était quand même assez technique et justement c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'en termes de ça, j'ai trouvé que concrètement, Blair Davenport gagne parce qu'elle est en train de remonter dans le circuit, ce qui montre quand même que Stevie Turner, elle, Turner, pardon, hein, elle bah, continue progressivement sa petite descente. Mais concrètement, c'était un match que j'ai trouvé assez maussade, pour ainsi dire. Ensuite, on a eu donc un moment en coulisses où il y avait notamment Noam Dar qui célébrait sa victoire dans le Heritage Cup. À ce moment-là, il y avait notamment des lutteurs qui étaient présents. Alors, je ne pourrais pas vous dire qui ils étaient. Et voilà, concrètement, ils ont été dégagés à coups de pied aux fesses. Après, il y a eu la petite célébration. Il y a eu également après une petite promo, alors qui avait notamment Theoman et Raja, pardon, qui étaient présents. Voilà, ils discutaient, ils parlaient de ce tournoi, ils disaient que voilà, ils promettaient à ce que leur famille grandissait. Alors c'était assez mystique et assez mystérieux, on va dire ça comme ça. Mais concrètement, voilà, on s'attendait par rapport à ça, donc on va voir justement comment ça va être amené. Et ensuite, en coulisses, on avait aussi Tsitskala qui a annoncé, donc, et confirmé, donc, que dans 3 semaines, Ginny affrontera bien Meiko Satoruma pour le titre NXT Women UK Championship. Donc voilà, et au final, eh ben, peut-être qu'elle sera championne, pour ainsi dire. Bon, voilà, 3 segments en coulisses assez classiques. Enfin, le deuxième segment était quand même pas mal parce qu'il apportait quand même son lot de mystère. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant à proposer. Ensuite, le deuxième match entre Chas Samuel et Flash Morgan, bah, je ne l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Alors, encore une fois, on va me dire que oui, je chipote un peu. J'ai trouvé notamment que bah, Flash Morgan a été relativement assez discret. D'ailleurs, je rappelle quand même que si Chas Samuel s'est mis à courser Flash Morgan, c'est parce que il s'est pris une tarte, il s'est mis à courir derrière lui, et au final, ça a donné ce match. Moi, je trouve ça un peu léger. Bon, après, pourquoi pas. Mais concrètement, c'était un match que j'ai trouvé assez anecdotique. Il y a eu des bons retours, justement, un peu des moments où c'est retourné. On a vu notamment un match plus intéressant, notamment deuxième partie de match. Mais c'est vrai que la première partie a été décevante, à mon goût. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé ça excessivement intéressant à regarder. Mais quand même, on va pas se leurrer, c'est quand même
très intéressant ce qui a été proposé. Ensuite, on a eu donc Nia Samuel qui est venue pour parler avec Zia Brookslide sur le fait voilà, qu'elle n'arrêtait pas de perdre, qu'elle n'arrêtait pas de perdre contre tout le monde. Et à ce moment-là, elle lance un défi à Alea James, qui semble être une petite rookie, on va dire ça comme ça. Je ne la connais pas du tout. Voilà. C'est une lutteuse qui est née en 98, donc elle peut être excessivement jeune, elle a 23 ans. Elle a notamment fait plusieurs carrières à la Pro Wrestling Eve, etc. Là, elle est apparue notamment le 5 novembre à NXT UK en 2020. Elle a fait quelques matchs. Après, bon, elle a été. À ce moment-là, elle est revenue dans le Brown. Elle a eu quelques matchs comme ci, comme ça. Bon, on va voir comment ça se passe. Mais allez à Jay. Bon, ben, on va voir comment ça se passe la semaine prochaine, pour ainsi dire. Il y a eu aussi Jordan Devlin qui a donné un défi à Joe Coffey. Il a voulu parler. Voilà, il a été provoqué, etc. Bon, voilà. Quelque chose en plus, pour ainsi dire. Et enfin, on a eu donc. Le main event, qui était donc le match pour le NXT UK Championship entre A-Kids et Ilja Dragunov. Alors, si les deux matchs que je vous ai présentés étaient corrects, mais sans plus, on va pas se leurrer, ce match-là était quand même du 5 étoiles. Parce que si la WWE avait pour optique de faire deux matchs corrects, correct, ça veut pas dire c'est mauvais. Hein. Correct. Et au final, un premier match correct, un deuxième match plutôt moyen, et ben il fallait remettre les pendules à l'heure et sortir un gros match pour vraiment mettre tout le monde d'accord. Et au final, j'ai l'impression que la WWE, les officiels de UK, se sont dit, on va faire deux matchs qui sont intéressants, qui, on va dire, c'est pas ouf, mais on va faire un match et ça va mettre tout le monde d'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Dans ce show, c'est-à-dire qu'on a eu un match entre Ilja Dragunov et A-Kid. Alors oui, A-Kid a perdu, mais on a eu un match 5 étoiles. Clairement, c'était un super match entre les deux lutteurs, très stiff, sans déconner, où ça a été d'une puissance, justement. On a eu notamment Dragunov qui a mis des patates, enfin des athémies de taré. C'est pour moi, aujourd'hui, alors c'est vrai que ça fait pas longtemps que je le regarde à NXT UK, c'est vrai que les main events, ils savent les vendre. On a eu la semaine dernière avec Wolfgang et Noam Dar où ça a été très très bon. On s'est posé la question, on était comme ça et on s'est trouvé vraiment dans un bon show. Même si le show était plus globalement plutôt intéressant. On a eu ensuite, bah, clairement, on a eu des belles choses avec un triple threat match où il y a eu A-Kid et je me souviens plus des deux autres, j'en suis vraiment désolé. Il y a eu, je crois, d'ailleurs, un autre show, je crois que c'était le NXT Tag Team Championship où, si je me souviens bien, avec les. Tout le monde est venu, on va dire, rendre visite. Je sais pas si c'est pas le Heritage Cup, j'en souviens plus. Mais concrètement, c'est quand même très bon ce qui a été proposé ce soir, hier soir, enfin jeudi soir. C'est vraiment très très bon. Les deux lutteurs se sont donnés à leur maximum. Et on va pas se leurrer. C'est du très très bon. Honnêtement, moi j'ai adoré ce match. On a eu notamment cette main où il a vend bien la prise, Dragunov, et Aikid revient plutôt bien. On a eu vraiment. Une belle panoplie de ce qui était pouvait proposer, même si on le savait déjà, A-Kid, au vu de ce qu'il a été proposé. On sait que notamment Shawn Michaels le considère vraiment comme un excellent lutteur, et on sait que Shawn Michaels, quand il adoube quelqu'un, c'est quand même assez révélateur. Mais c'est un gars, franchement, moi j'ai. Franchement, c'est un mec que je trouve très intéressant. Alors après, certains vont me dire, oui, est-ce qu'il aurait pas dû gagner? Non, non, non. Venez. Dragunov vient à peine de sa première défense de titre à Dragunov. Je pense que A-Kid, comme ça, on sait enfin ce qu'il est capable de faire. Ça nous donne une panoplie de ce qu'il est capable justement de montrer, de raconter, de proposer. Donc forcément, il est capable de pouvoir nous donner quelque chose. Mais on va pas se le. Bon, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une prestation aboutie, vraiment très bonne. Et on a envie de dire, ben, A-Kid, vraiment, on a envie de le revoir. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ceintures. À NXT UK, c'est vrai que les rivalités, forcément, étant donné qu'on a 45 minutes, quand même assez petit, mais au vu de ce qu'on a pu voir, bah, je suis globalement content et franchement, bah, c'est bien d'avoir des bonhommes qui, pour ainsi dire, peuvent te surprendre comme ça. D'ailleurs, je fais un petit aparté, j'espère qu'on va revoir, bien sûr, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a pas revue, la petite Amal française, parce que si elle est là, je pense que ça sera du rodéo et on sera très content de la voir. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous précise bien sûr que vous pourrez suivre, si vous n'avez pas déjà fait,
SmackDown et WWE Page sur les autres vidéos. Pour les photos, je vous précise bien sûr que vous pourrez suivre eh bien, Lyon-Monaco pour le débrief à partir de 23h30. Bon, je vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Portez-vous bien. Oh, parce que j'ai dit, les amis.